Bonjour VOD. Nous sommes de retour sur Grand Lead avec Envy et on essaie d'affronter un rhinocéros. Littéralement. Je tank. Vas-y. Je prends mon shield. Et je vais prendre la masse. Ah mais je peux pas prendre la masse en même temps. Ah oui. Pour moi c'est bloqué ce trou du cul. Il s'est bloqué. Oh la vache. Oh, il est horrible. C'est quoi ces yeux rouges de ouf là? Bah, c'est parce qu'il est vénère, quand ils sont vénères, tu sais, ils ont tous les yeux. Non, mais t'as vu, ils sont énormes ces yeux. Oh, j'ai bah, il est gros machin. Ouh, je l'esquive, Oh, allez, je lui mets des deux barres de vie par coup, je crois. Par contre, ouais, je crois que je vais faire comme toi. Hein. Je vais prendre la masse. Hein. Oh. Anecdotique. Allez, loser. Nulos. Nunuche. Ok. Moi, oh, c'est cool. Trop simple. On s'y attendait un peu, on s'était grave préparé pour lui. Ouais, franchement, oui. Et puis, il était coincé, hein. Il a pas pu nous stun. Ah, mais en plus, il on avait déjà vu ici, c'est vrai. Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'on avait tout fait cette partie où on n'était pas passé au milieu, je me rappelle. On avait fait attention, mais mince, ouais. On a. Ouais, donc je peux. On commence à avoir fait pas mal de choses. Mm. Les amorces, on peut pas les enlever. Ah si, t'as la H-Rang 3 maintenant. C'est la rang 3 que pour j'ai. Pour enlever l'amorce qui est là. Bah oui, je t'avais donné. Ah, j'avais oublié. On a pu en faire qu'une et je t'ai donné. Merci. Ça, tu peux, du coup. Quoi? Oh. Mais quoi dedans? Amas de poudre noire. Okay. Ah, un truc intéressant ça. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Ah là, il y en a encore un. Ah, mais ça se trouve, il y a des trucs différents à chaque fois. Ah non. Il va falloir qu'on prenne aussi un équipement aquatique pour explorer quand même sous la flotte là où on était. Ouais, c'est vrai. Moi j'avais quand même fait un petit tour un peu, j'avais pas vu grand chose donc on. Oui, mais on était en pleine nuit et on se faisait attaquer tout le temps. Alors, si tu te souviens bien, on a commencé en pleine journée. Ouais, mais c'était mais compliqué. Ça a terminé en pleine nuit. Ça, c'était compliqué. Pourquoi elle m'attaque elle? Pourquoi tu m'attaques toi, travailleur du feu là? Elles sont sensibles à quoi les travailleuses du feu? Bah sûrement à ta masse. Ouais frère ouais. Ah non c'est tu l'as engelé ouais ta masse. Ah oui toi, c'est ma masse. Ouais mais je peux plus m'éclairer du coup c'est chiant. Bravo. Oh c'est ah pas oui, mal bon, ouais. On va acidulé donc on peut. Mais si bon bah sinon on a vu plein c'est juste qu'il faut le marteau en 3. Ah oui d'accord. Attendez où est ma torche elle est là. Mais en vrai est-ce qu'on a eu une tête de scarabée? Enfin. Non. J'ai eu oh que... chiant je m'éloigne. Un scarabée bœuf. C'est un scarabée bœuf ou un scarabée rhinocéros, tu sais plus. J'ai vu tout le temps. Vas-y, on va par là à droite. Bah, les deux. Je crois que c'est bœuf. Bœuf. Ouais, c'est putain. Attends, voilà ce qu'il y a par là. Ah, il... mais attends, c'est pas là où il y a la. Oh, il y a un autre scarabée là. Oh, bah, il m'a vu. Ça va être autre chose parce que là, il est pas stun. Enfin, il est pas coincé, je veux dire. Je me soigne. Ah, il est coincé en fait, j'ai rien dit. J'ai réussi à bloquer son coup, je me barre. J'ai réussi à lui mettre un coup, un enchaînement de 3. Par contre, je me fais attaquer par un Qu'est-ce autre. Qu'est-ce que truc. C'est que ça? Punaise, je sais pas, mais un truc qui m'attaque, mais dans le noir, je vois rien. J'ai entendu bzzz bzzz. Attends, j'arrive, j'entends je le soigne. Toto hurler dans le salon, je crois que ça se passe mal. Ah merde! Votre partie sur Project Zomboid. Oh les coups! Punaise, j'ai réussi à bloquer toutes ses attaques pour l'instant. Presque! Il est presque mort là. Let's go! J'ai plus de vie moi. Moi aussi, je bouffe. Un dernier coup. Ah mais les premiers coups ils font rien en fait. Non c'est dernier. Ah, un unicorn, il en faut deux je crois pour le... Merde. C'est quoi ça? Chiante. Dégage. Ils oh, mais en ont mis trop de ceux-là. Hein. Quoi? Une petite araignée à la con là. Là que je suis ah, barré. Ah elle l'attaque. Oh oui d'accord il... Oh qu'est-ce que... Oh, une punaise verte. Oh putain. Une punaise verte. Ah bah on l'a vu. Ah t'as défoncé. C'était ça qui nous a attaqué. C'est ça qui nous a attaqué. Je me disais mais il y a une punaise. Oh mais elle est big, elle est big. Oh, c'est dégueulasse une punaise. Je suis mort. Attends ouais j'ai tenté mais... Oui oui non fais le tour, fais le tour. Va te cacher. Au pire j'en viendrai chercher c'est pas grave. Attends elle attaque d'autres trucs. Oui elle attaque l'araignée je crois. La petite araignée jaune. Fais gaffe, elle a vite arrêté. Ah, y'a une araignée jaune! Putain! Pour
à me toucher. Oh non. Oh non, volé. J'étais coincé dans la toile. J'arrive pas à changer d'arme. Moi aussi. L'araignée jaune n'attaque pas, vraiment? Ah si, elle l'attaque. Non. Oh, l'autre, elle m'a empoisonné et l'autre, connasse, elle m'a sauté dessus en même temps, quoi. Et en vrai, tu restes pas loin. Tu pourras la... Tu pourras faire un truc parce que les araignées l'attaquent, là. Oh, merci, putain, c'est trop fort. Ah, putain, j'en peux plus. Attends, c'est quoi la sensibilité? Frais. Frais. Ouais, mais il faut que je me... Des flèches frais. Elle est bloquée dans la toile, ça oui, marche. Oui, elle est bloquée, c'est pour ça. Là, on reste pas loin. Elle est entoilée, mais genre, c'est un truc de... Qu'est-ce que... Non, mais regarde tous les yeux rouges, là. Oh, la stun. Oh là là, quelle machine. On garde, on garde. Restons dans le coin. Non, je mets des petites flèches. Mais des petites flèches, moi, j'ai pas envie de les retourner contre moi. Hein. Je lui mets dans les yeux. Non, mais moi, je tire sur la punaise. Allez. C'est un world boss, le truc. Oh mince, elle l'a entoilée, non c'est... J'ai touché une orbite, elle... On change de type de flèche. J'en ai... Mais moi, j'ai pris les classiques, j'ai oublié. Parce que je joue pas beaucoup à l'arc. Fais gaffe, il y a une araignée qui est vénère. Elles sont trois. Oh non, mais cours, cours, je t'en supplie. Flèche. Voilà. Si c'est ça. C'est trop le bordel. Tu t'éloignes à peine, t'entends encore d'autres bruits. Je me fais agresser. Tu as découvert Brouette. Ah bon, tu sais quoi? Ah oui, c'est... What the fuck. Elle s'est barrée. Oh, je l'ai mis la dernière flèche. Putain, elle s'est détachée juste à la fin. Est-ce que tu veux que je t'aide pour l'orbitelle? Une orbitelle, ouais. Parce que j'ai pas du tout la bonne. Je fais R. Ok, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y a ces petites merdes agressives là. De la toile partout, hein. Je garde mes petites armes juste pour qu'on puisse être éclairé parce que j'en ai marre d'être dans le noir. Arrête! Hey, franchement, les larves de coccinelle, ça pue. Ah, t'as vu quand je t'ai dit que c'était pourri les coccinelles? Non, les coccinelles c'est bien, les larves de coccinelle ça pue. Elle me fait chier l'orbitelle, viens là du fond. Bon. J'arrive, je suis. Je t'ai ralenti. Tiens. Tu me hit sur sa gueule. Par contre, c'est drôle, mais l'autre elle est morte en haut. Oui, elle est morte en haut. Bon, ça va, je peux y accéder par là, je pense. Merde. Je récolte les flèches. Il y a un scarabée encore. Oui. Non, mais à peine on s'éloignait, il y avait d'autres trucs qui hurlaient et tout. Je suis là, putain. Ouais, ça sentait mauvais. C'est vraiment une zone. Ok, je vais pouvoir la récupérer. Oh, incroyable. Trop bien. Mais les combats entre insectes, c'est... C'est immonde. C'est immonde, c'est vraiment de la saleté. Hein. Ah non, c'est immonde. Elle était big à être fou. Merde, le scarabée, non mais je fais 2 mètres. C'est bon, je suis là. Ah. Est-ce que t'es fou? Ouais, non, c'est sur toi du coup. Oui, c'est sur moi qu'il est. Oui, c'est sur moi au début, mais dès que... Okay. Pardon. Oh mais les dégâts, mais non mais c'est trop en fait. Oh, m'a chié dessus un rocher à l'autre. C'est quoi, il est sensible à quoi? J'oubliais aussi. Salé. Ah bah go avec ta truc. Ah oh, mince, j'ai pas pu Que des flèches salées ici. Ah non. Je vais me barrer. Oh, t'étais stuck dans la toile. En fait, j'avais pas vu qui. Oh, tu peux me reste vite fait? Oui, j'essaye. Oh le chou. Ah, c'est trop chiant. C'est bon. Oh, il est coincé un peu. Il est un peu coincé. Il y a une petite araignée qui l'attaque. Elles vont le défoncer. Tiens. Oh, GG. Ouais, j'ai mis une triplette dans le nez là. Mais c'est trop. Putain, c'est dur. Ouais. Cette zone la nuit, elle est compliquée quand même, non? Quoi qu'on a tout nettoyé un peu là, on peut peut-être visiter un peu mieux. Ouais, t'as découvert la brouette, toi, d'ailleurs, c'était ouf. Là, je sais même pas comment, je reculais, j'étais juste après toi. Ah bah elle est là, la brouette. Elle est là où je suis. Ah d'accord. On est en dessous, en fait. D'accord. Ah, du marbre suprême. Ouais, on peut pas. Oh, oui, on peut pas. Oh, pomme de pin.
On peut pas. Mais au moins c'est là. Non mais pomme de pain, on avait des trucs avec. Je sais plus pourquoi. Je sais, je sais. Ah, y'a une dinde. C'est en mode, oh t'es content, et non. Et non. Une pomme de pain. Vas-y, viens là, viens là, viens là, que je me hit sur ta gueule. Super, j'ai raté. Arrête, t'es trop chiante. Je me tiens, même. Arrête le poison. Non. Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien, je fuyais, puis y a une coccinelle démoniaque. Ah, elle m'a tapé. On se tire. Araignée bleue façon Isaac, oui. Oh, ils se battent ensemble. Elles sont bleues façon Isaac, exactement. Je tire comme un trait sur la coccinelle. Ah bah voilà, ouais ouais, vas-y. Faut qu'on la tue celle-là. Elle est sensible à quoi? Au cassage, go. Go avec la masse. Toi aussi, moi j'ai plus d'énergie. Ok. Oh, regarde. Oh, le mal que tu lui as mis. Oh la vache. Attends, c'est qu'au cassage. Faut tuer la... la... Voilà, oh, dégage. Plus hors de vie, elle. Allez hop. Putain, on a... Eh, franchement, on progresse là, hein. On a du matos là. Ouais. Bien ça, c'est bien. Mais c'est pour ça que j'aime bien garder l'armure qu'on a quand même. Elle me. Enfin. Tu tankes un peu en fait. C'est l'armure Innocent, je sais pas si elle me manque. Okay. Je sais pas. Ah, c'est du lierre. Oh. J'aime bien le lierre, c'est joli. Et surtout là, comme il est posé, c'est parfait. Ça fait. Ça fait une hauteur en fait, c'est sympa. C'est pas du lierre ça, je pense. Ah, si, c'est grave du lierre. Mais les feuilles sont trop énormes, non? Non, mais on est petit. Ouais, non, mais... c'est ça, c'est du lierre, moi je le reconnais très bien. Et bah j'aime bien le lierre, c'est beau. Ouais, les phasmes ils le mangent. Ceux que j'avais, mais... ils mangeaient des ronces. De cette tata. Bah non, c'était même bien. J'en ai eu un, hein, tu te rappelles pas? Oui, je me rappelle. C'était tout énorme, c'était trop beau. Il bougeait pas. C'était des phasmes. Si, en plus quand je les prenais sur mon main, ils bougeaient. En faisant leurs petits allers-retours là, comme ça. Je suis sur un autre. Je suis sur un arbre. Ouais, ah, y'a un arbre stylax. Attends, j'ai fait échappe. Attends, j'ai eu peur. T'as juste un moustique sur ta gueule. On va le j'arrive. Ça m'a surpris. C'est Théo, alors faut que je fasse le tour. Oh, j'ai soif déjà. Ouais, des champis. Tiens. T'as le bruit de moustique de merde. Oh, mais c'est chiant. Ah, voilà, c'est là. Il est sensible à quoi cet idiot? Coupé, je crois. Un à deux. Battez-vous contre vous là. Oh putain. Hey, c'est trop chiant. Ah. Oh non, mais il passe à travers le champi, ça dégoûte. Ouais, mais il se bloque. Il se bloque un peu quand même, hein. Attends, mais... Un truc rapide. On s'est éclaté. Prends un peu des champis si t'as besoin de bouffer, au moins ça te fait toujours ça. Au pire, tu les jettes. Mais bah oui, moi je suis bien là, mais j'ai déjà utilisé mes deux trucs pour me heal. Donc j'en prends. Ok, je vais un coup de flotte. Oh, il y a, une... oh, il y a... sur ouais. Les souches d'arbres en fait. J'arrive. Il y a toute une zone. Il y a toute une. Ouais, je t'attends. Ah ouais, il y a un labo. Ça a l'air sympa. Il y a un petit labo. Ah bah oui, on le voit. Souche. Let's go. On va pouvoir analyser des trucs. Regarde la souche. Sympa. Ah yes, je fais une petite analyse. Moi j'avais. Oh. Rapport de vidéosurveillance. Attends, je vais lire ça. Yep. Oh, on a une quest. Fabrique et polir abeille. Arbalète de scarabée bœuf noir. Ah. Attends, il y a un truc derrière. Il y a un truc pas loin. Et flèche super puante. Ok. Ça n'est pas trop poison donc. J'ai essayé le poison, je suis pas fan. Tu veux que je te passe la deck pour tester? Oui, tiens. Ouais, ouais, attends, j'essaie juste de lire le rapport que je viens de ramasser. Puisque. Attends, on est dans quoi? Ça met bien à date et tout, mais à part sur un boss, je vois pas trop l'utilité. Donc, spécialement... Ah, vidéosurveillance. C'est sympa. Mais... Hier soir, je regardais les images de vidéosurveillance et j'ai remarqué plusieurs caméras à l'intérieur de mon laboratoire sous la... J'ai remarqué... Ah oui, voilà. Sous la vieille souche de pain.
La seule caméra encore en état de marche était celle de la porte d'entrée. Son objectif fixé vers le ciel tandis que certains éclats de bois pourris lui pleuvaient dessus. À mon grand désarroi, je découvris le lendemain que la souche s'était effondrée sur son propre poids, réduisant mon laboratoire en miettes. Mes laboratoires se détériorent de plus en plus. Je dois être plus prudent lorsque je choisis les prochains emplacements. Je ne peux pas me permettre de perdre une station de recherche importante à cause du travail de mauvaise qualité dominante. En attendant, je vais demander à Bulgur de me mettre en place un flux à partir de l'avant-poste Alpha de la Mare. Un flux ? Où je pourrais mener mes recherches pendant un certain temps. Et que je pourrais verrouiller grâce à un bouton d'arrêt d'urgence sur la porte. Il reste que des appareils instables qui traînent dans l'obscurité. Ok, d'accord, un truc avec la Mare. Ok. Moi aussi j'analyse la poudre. Il y a un truc énorme à côté de nous, non ? Ah mais c'est une araignée ! Je reconnais le... Je sais pas. Si, si, il y a complètement une araignée qui tourne autour là. Avec la chance qu'on a. Non. Ah si, je l'entends. Ah si, 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 je l'entends. Elle est peut-être au-dessus après. Je crois qu'elle est au-dessus de moi. Je crois. Elle est à ta gauche. Où ça? Elle est derrière le bout de bois sur lequel tu es posé. Oh le bad. Tu sais que j'étais stressé parce que je l'entendais. Ouais, ouais. Ça m'était mal à l'aise. Elle est où? C'était quoi? Ah on putain, est sous une souche et je me suis dit sous une souche égale araignée, bah oui. Il y a plein de... Il y a plein de petits trucs qui te sautent dessus, les manches-têtes là. Attends, la deck je l'ai posée, tu l'as pas prise. Attends, elle attends, toi. Attends. C'est la veuve noire, non? Ah non, c'est bon, c'est une normale, on peut la faire au pire. Ah punaise. Viens, on attends, la fait. Lux, prends la dague, prends la dague. Pardon, on va pardon, sinon. Pardon. Choper, ah punaise, à chaque fois ça marche mal. Je peux pas. Ah si, c'est bon. Je la mets sur mon inventaire. Je pense. Tu prennes ta hache. Oui. Ah c'est la hache, c'est pas la... le concassage là, c'est pas bien avec. Non. Oh arrête, Lox, je fais des trucs. Pardon, oui. Non, on est trop bloqué, ça pue. Je prends mon shield. Voilà. Je suis empoisonné. Moi aussi, je suis empoisonné. Vas-y, tape là. Je peux respawn, au pire, on est juste à côté. J'aime pas utiliser ces techniques, mais elle régène. Il y en a deux. Oh, je suis mort, je suis c'est un poste de recherche, on est marrant, on est d'accord. Ouais. Ok. Tu respawn. J'avoue que j'avais juste les pattes d'araignée dans la gueule. Salope. Il y en a deux, putain. Je te laisse t'en occuper. C'est... Attends. Merde, tu vas tirer dessus. Ouais, c'est chiant. Mais t'es passé devant. Oui, bah, j'essaie de pas mourir, excuse-moi. En fait. Oui, mais c'est pas en prenant des flèches que ça va réussir. Mais non, mais alors empoisonné, mais quelle espèce de... Oh, mais c'est dégueulasse, elle est toute près de moi. Oh, mais c'est immonde. Hein. Est-ce que c'est deux araignées loups? On est sûr de ça? Oui, c'est ce que je t'ai dit, on avait deux. Non, oui, non, mais ce que je veux dire, est-ce que l'autre c'est vraiment une araignée loup? Je sais rien, attends, monsieur. That's my question. Ah oh putain, comment ils sont rapides! Ah, c'est immonde leur déplacement, c'est horrifique, ouais, c'est deux araignées loup. C'est horrifique. Je sais pas où il est mon sac à dalle. Mais Lox, on est bloqué. Ouais, elle je sais. Régène en plus. Ok, c'est bon, c'est bon. Fais des trucs. Ouais, c'est bon, assommé. Il y en a une qui est quasi morte, elle est morte. Hop, j'aime. J'ai sorti les flèches épicées. Oui. J'ai raté, la cible n'est pas assez grosse. C'est bon, elle est quasi morte. Elle est morte. Ouais. Arrête les petits trucs qui me sautent dessus là. Ah, c'est eux qui m'ont. Ah, mais c'est des saloperies de tic. On l'a analysé la tic? Je suis pas sûr. Non. Si. Connard de tic. Toi, je te laisse prendre les araignées. Ok. L'araignée loup. Bon. C'est ouais, une c'est journée, bien. C'est une soirée compliquée. Genre, il y a des araignées dans des endroits humides sous la terre. Oui, mais en vrai, les araignées aiment bien l'humidité. Je rigole, mais oui, je sais, c'était de l'ironie. Ah, mais non, parce qu'on m'a toujours dit quand j'étais jeune. Ouais, les araignées, si t'as des araignées, c'était une maison saine. Parce que les araignées. Ah, d'accord, moi, ça me paraît, c'est complètement logique. Faux. Les araignées ont besoin d'un peu d'humidité. Partout dans les trous. C'est pour ça que t'en as dans les caves.
Ou qu'il y en avait sous ton lit. Ouais, t'as un sac à dos ici, hein, Envy. Comment ça, sous mon lit? Ouais, tu sais, quand tu jouais sur mon lit, tu me disais viens. Parce que c'était mine de rien dans ta chambre. T'as un sac à dos, tu devrais le prendre. Faudrait que tu reviennes. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu l'as pas loot. J'ai jamais dariné sous mon lit. Non mais Envy, t'as entendu ce que j'ai dit après? Quoi? T'as un sac à dos. Tu parles de... Faut que tu viennes le récupérer. Oui, mais revenons aux araignées sous le lit là. Mais tu m'appelais quand tu voulais nettoyer sous ton lit. Salut Silence! J'ai jamais été. C'est vrai qu'il y a plein de pattes et qui grimpent sur le dossier de ta chaise. Bon, bah, si t'essayes de me faire peur en vrai avec une araignée, va falloir que ce soit pas une araignée de la région, hein, mon petit Silence. Parce que je t'avoue que. Je suis pas une grosse flippée des araignées, perso. Il y a des veuves d'or en France, fais pas la manie. Oui, il y en a pas en Belgique. Hein. Je te garantis que. Surtout en plein hiver, hein. Bon, bah j'ai fait un petit tour, j'ai pas trouvé grand chose. Dis-le, c'est plus Gilles, c'est le même jeu. Ouais, mais on est dans la partie. On est dans une autre partie que Gilles. Même si elle est bien avancée, ça c'est bien. Bravo à elle et Gwen. Oh, les sticks! Oh, je me tue. Ah, il y a une dent là-haut, je me disais, ça sonnait depuis tout à l'heure, je la trouvais pas. Ah oui, elle est toute. Oh, il y a un trou! Une fille! Oui? J'avais pas vu. Moi j'avais vu. Tu aurais vu me dire? J'ai envie d'y aller. Je pensais que... Ah là, que j'ai trouvé la porte du labo. Mais elle est fermée. Genre... Ça fait chier. Mais ça fait chier, c'est toujours fermé. Ah mais c'est une mare, regarde. Ah oui. On a encore ça à explorer. C'est ça la partie alpha de la mare. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Enfin une mare, je suis pas sûr. Oh si, peut-être. Oh, hein. Ça fait un peu marécageux. Attends, on est en plein jour, j'en profite pour jeter un coup d'œil dedans. Oh, on voit bien, c'est cool. Je t'ai suivi par des tics, là ils vont se noyer ces petits cons. C'est de grimper, mais j'arrive pas, bordel de flûte. Qu'il est mauvais. Mince, pardon. Super chaud, les... Il a effacé le souvenir d'araignée sous le lit de sa mémoire. Non, mais c'est que... Je sais pas si Joy, je sais que quand il nettoyait sous son lit, il m'appelait au cas où il y avait des araignées. Voilà. Ah, oui, d'accord. Mais moi j'en ai déjà vu des grosses tégénères qui passaient sous mon lit, sous mon armoire, et tu sais, tu les vois dans le coin de ton œil. Genre tu vois un gros truc qui passe dans ta chambre, t'es là, j'ai vu un truc là. Ouais, c'est horrible. Oh. Tégénère là, non merci. Hein. J'aime pas ces araignées là, elles sont rapides de ouf. Faut même pas de toile, je suis sûr. Elles sont assez maladroites aussi. Ah ouais? Ouais, les tégénères c'est maladroit. Ça peut carrément tomber des murs et tout. C'est pas du tout. Ah, mais c'est fallait jamais me dire ça en fait. Bah, malheureusement, c'est pas des araignées qui grimpent, elles sont plus à l'aise sur le sol. Donc, elles vont grimper parfois, mais voilà, elles seront maladroites. Donc, effectivement, si t'en as une sur le plafond ou sur un mur, elle peut complètement tomber. Super. Et si tu veux voir si une araignée est fatiguée, c'est qu'elle bouge les pattes en fonction d'une respiration, de haut en bas. Donc quand une araignée court vite, non, mais je veux pas, mais enlève-moi ces images de... C'est dégueulasse, hein. Non, c'est mignon. Ah, les histoires, je te jure. Non, mais c'est bien de savoir. Par contre, je suis allée dans un endroit et il y a un moustique qui m'attaque et je vais pas bien. Mais en fait, j'essaie de... Moi, je me fais attaquer par des tiques. Est-ce que j'en fais un plat? Un plat de tiques? Parce que c'est pas très éthique. Salut, Etienne! Je vais lire le message quand je pourrai. J'ai vu qu'il y avait Etienne. Non, mais de chier. Dégage, toi! Vous pas me lâcher là! Les petits cons là de merde, mais ils font mal en plus! Ah, il a pris ultra cher. Oh non, mais! Et ça va là? J'ai littéralement pas de vie. Foutez-moi la paix, je me tire. T'es où là? T'es sous terre, toi? En fait, je suis passé sous la souche, dans l'eau, et du coup, j'atterris à un autre endroit. Mais j'arrive. J'arrive. Je sais pas du tout comment, mais j'arrive. Mais il y a des petits soldats dans la flotte qui se battent. Enfin, genre, il y a une mise en scène avec des petits soldats dans la flotte. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des moustiques. Bah oui, mais oui, je suis au-dessus. Ah, mais t'es passé où? Je suis descendu dans le trou, mais il se passe rien. Non, non, pas dans le trou, dans la flotte, j'ai dit. Dans la petite mare. Mais j'arrive. Non, tu peux remonter. Je suis câble de ouf. Mais non, tu peux remonter, j'ai réussi à remonter. Ah, mais j'ai continué, je suis allé tout en bas. Ah, bah j'arrive. Alors, j'équipe une torche, mais je pense que je peux... Les araignées sont mes amis perso. Ah voilà, mais je savais. Ça, je savais.
Les araignées, c'est comme les chiens et les hunters. Si elles t'aiment bien, c'est que t'es quelqu'un de bien. Wow. Les animaux aiment les pointeurs. Attends, je me heal parce que là ça va pas du tout. Ça permet même de sortir des refs Hunter x Hunter, mais j'en peux plus. Non. Alors? Hein? Mais non, mais c'est chiant les tics. Non, là, non, mais ils quoi? Font chier les mais tics. Non, quoi? Eh ben non. J'essaie de remonter en vitesse, mais ça prend 2 heures et je fonce. Il y a 10 000 tics en encore, vrai, au mais pire, là. Il y a le. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais qu'est-ce que j'entends comme bruit? Ils sont insupportables, les bouffe-têtes. Merci! Merci. Petit coup d'épée. Oui, bah, j'ai eu paniqué. En sortie de coma, non, c'était sympa. J'ai fait un cauchemar. Ah, c'était par là. C'est ça? Ah, bah non, c'était là en fait où j'étais. Enfin, bref, mais c'est pas grave. Ouais, c'était par là. Non, mais dedans en fait, j'ai rien trouvé de spécial. Oh, ah, tu peux aller voir, mais c'est beau, regarde! Avec l'arche et tout. C'est vraiment... Punaise, mais c'est... Ouais, par contre, les voilà, c'est lui qui me défonçait là. Et je voudrais te montrer. Oh, GG! On le défonce. Oh, il est quasi mort! J'ai loot, désolé. C'est là-bas que je voulais te montrer. Trop joli. Franchement, oui, c'est trop mignon! Et quand tu vas là-bas, t'as un truc avec des petits soldats. Ici. Oh, j'ai un nouveau moucheron! Oh, mais ils sont méchants, je parie. Chaque fois qu'on découvre une nouvelle espèce qu'on a déjà découverte, bah en fait, c'est des méchants. Bah, je les one-shot. Ah, mais on peut les bouffer au moins. Donc, c'est bien en fait. Ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai faim. Ah, moi aussi. Oh, y'a un moustique qui est bleu. Est-ce qu'on se ferait pas un petit feu et tout là? Ouais, je vais faire ça. Faut qu'on bouffe. Petit soldat en plastique. Un petit, oui, bon, effectivement, petit soldat. Peut-être là, dans le contexte, pas tant que ça, quoi. Mettre ça à un endroit un peu dégagé. Oh non, j'en ai marre des moustiques. Envy, j'en ai marre des moustiques. Il m'a encore tué, j'arrive pas à me régénérer puisque j'arrive pas à me faire ouais, de la bouffe. J'arrive. J'avoue que je l'aggro, j'ai fui, ils sont un peu chiants. Merde, je vais devoir me coltiner. Il se pose à côté de moi en plus. L'enfoiré. Ça pour aller nulle part. Oh, les hélicos là! Help me out! Je vais pouvoir te rester. Ils ont coulé le portail en poche. Ils sont où? Ils sont où? Au-dessus de ta tête. Normalement, quand ils font ça, l'hémoglobine d'arc, il est traité avant le truc. Quand c'est fait volontairement, quand il coule volontairement un truc, maintenant il le traite. Il enlève la peinture, la menthe, les conneries comme ça, le plomb. Comme ça, ça fait un récif artificiel. Mais normalement, là. Hop là. Ouais, ceux qui préfèrent payer la taxe. Bon. Plutôt que. J'ai un truc à retirer. Moins cher. Ah, c'est marrant la petite con, t'as un soldat solo avec un bazooka là. Qu'est-ce que ces petits trucs là? S'il te plaît, reste avec moi, j'arrive pas à me heal. Arrête, s'il te plaît. Non, j'ai tué les. Oui, non, moustique. Mais y a d'autres trucs. Mais non, t'es bien là. Je sais que toi rien. Ah non, y'a une fourmi. Elles ont vachement de vie ces merdes. Faut y aller à la mage, j'ai l'impression. Ouais, ouais, mais je suis obligé de garder mon shield vu que j'ai pas de vie. Oh
Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est des branchettes. Allez! Il faut 3 flèches pour la toucher 3 fois quand elle tue. Quoi. Il me faut 2 gravillons, ok, et il faut plus que une herbe sèche. Ils n'ont pas été traités. Ok, c'est bizarre qu'ils aient fait ça. Personne voulait le traiter. C'est censé être illégal le mettre de polluer éhontément comme ça. Juste, eux ils vont payer une amende ou une taxe ou un truc, mais ils préféreront ça que. Et si tu veux manger Lox, tu tues juste des ennemis avec des trucs épicés. Regarde, attends, viens. La viande de des ennemis comestibles, problème. Ah, viens. Mais les moucherons, je les ai tués. Putain, les moucherons, je les ai tués avec. Flèche épicée. J'en ai tué 4, mais je trouve pas les cadavres. Australia Simulator. Non, non, c'est moins dangereux que l'Australie quand même. Mais j'ai ça encore. Je sais pas où ils sont. Merde. Ok, j'avais encore des champis. Ah, j'en ai un là, Lox, ici. Attends, je peux le prendre, au pire, je te le donne. Ouais, ouais, prends-le. Bah, de toute façon, il me faut de l'herbe sèche et j'en trouve pas, donc. Et toi, t'as ta. Au pire, ta hache, il y a d'autres choses qu'on peut manger. Bah, à part les moucherons, j'ai rien croisé d'autre et bah, moi j'ai que ma hache, donc. J'ai croisé un charançon, il se faisait tuer. Mais que ces merdes là de bouffe-tête. Viens, je te lâche 2 bouffes. Merci. Merci beaucoup. Ça va beaucoup mieux. Consommer. Ok, on avance un petit peu, c'est pas mal. J'ai un peu fait le tour de la map, j'ai pas. T'as fait le tour des petits soldats? Ouais, j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé. Pas de bip, genre il t'a pris une échelle là-haut. Où tu vas? J'ai pas encore été voir. Ok, je regarde un petit peu. Ah, des fourmis qui se mettent contre un truc. Je sais pas ce que c'est, mais je vais pas trop m'approcher parce qu'elles sont chiantes. Un scarabée. Et un scarabée. C'est vraiment très joli, hein. Cet endroit je trouve trop mignon, regardez ça. J'adore. Du coup il y a échelle et il y a tondeuse à côté. Voilà. Trop chiante. Ah, tu te bats contre un truc là-haut? Une fourmi, ça va. Non, mais attends, mes petites araignées bleues, elles attaquent des trucs, c'est rigolo. Faut faire gaffe hein, avec le gros machin en dessous là. Elle t'a vu. Ah, mais du coup, t'es en hauteur. Oh, les dégâts de la charge. C'est indécent. Charge même quand on est en bas. En haut, pardon. C'est bon, Easton. On a une fourmi avec nous. Ah, j'ai loot, désolé, j'aurais dû classer. Ouais, c'est pas grave. On se filera les trucs, c'est besoin. Oui. Bon, elle se casse là? Une araignée. Merde. Ah oui, c'est de l'argile.
Il y a un labo, je crois, dans le coin. Ah non, une dent. Une dent. Ouais, je pense qu'elle est sur l'échelle. Ah, on peut monter par là. On va aller à l'autre bout. Ok, moi j'étais allé de l'autre côté du coup. Les araignées bleues trop vénères. Elles sont mignonnes mes petites araignées bleues là. Ok, en fait avec la... Avec la massue, les larves, elles font pas trop long feu finalement. Pas trop mal. Ah. Un enchaînement. Donc c'est bien, c'est bien. Ouais, après on a... Enfin c'est une massue récente déjà au niveau de l'histoire et... Je l'ai trouvé. Ah là-dedans ? Oui, t'y arrives là. Ah ok, ouais. C'est ce que je faisais tous les... Bon bah... Je m'enfuis. Milk. Molar. Donc ça c'est la souche. Alors on n'est pas monté dessus. Non. Attends, c'est quoi le truc là-haut ? Elle s'est effondrée apparemment la souche. Attends, regarde ce qu'il y a là-haut. Tout en haut de la souche. Viens voir. D'où je suis, je vois pas. Attends, j'arrive. Je mets un truc là-bas. Là. C'est un insecte. Une mythe ou un papillon. Ouais. Attends, j'arrive. Là où je suis, j'aimerais bien essayer d'arriver à remonter, ce serait pas mal. C'est potentiellement intéressant en fait. Une mythe. Une mythe ? J'ai découvert, toi, je l'ai verrouillé. Sympa. Bah, elle devrait pas être vilaine alors, elle doit être dans neutre, non ? Il nous restait une créature en neutre, en plus à trouver. Ah, on peut grimper sur le truc là. Attends, j'arrive. Je te rejoins quand j'aurai vu ton point. T'es là. Ennemi de faiblesse, frais, épicé, aigre. Résistance, concassage, tête de yade, épicé. Donc frais, épicé, aigre. Donc frais. Après, elle résiste à tout sauf à l'épée, au perforant. Non, ça va être la mythe, le boss ultime. J'adore cette souche, elle est trop sympa. Par contre, t'es passé par où ? Par là. J'étais redescendu pour te montrer. Merci. Choisis la prudence. Je sais que ça. Ah, il y a des trucs. Ouais, c'est des trucs frais. Okay. Ouais. J'attendais, je pensais que c'était. Des œufs. Ah, bah attends, on peut. Ah oui, bon, on peut monter. Ah oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de portefeuille. Ils ont été généreux. Quoique là où je suis, je peux pas. Ah, je tombe. Ah, peut-être ça, le bruit de la mythe, c'est mignon. Attends, j'arrive. Oh punaise, je suis en train de tomber de fou. Par là, Lox. Je pensais que je pouvais. Oh, ça me saoule. Je suis totalement retombé. Je vais monter par là. Viens là, viens par là. Tu vas où ? Mais j'essaye de voir par où je peux remonter. Viens par là. Ouais, mais par là, après je suis coincé. Mais non, tu vois, c'est facile. D'accord. Ici. Viens. Couliant que de remonter que de faire couler en torpillant. What the fuck ? On va par là en fait. Ouais, attends, on peut tout droit là comme ça. Mais on peut monter comme on veut, là, presque. Ok, juste monte là sur le bout de bois qui est ici. Je sais pas, attends, t'es où toi? Je vois pas. Je suis au-dessus de ta tête. Ah, c'est bon. Mais t'aurais dû pas venir là où j'étais, parce que c'est là où on peut monter facilement. Ou t'as réussi à monter? Là où j'ai monté, ça allait, mais après c'était mort, mais là c'est bon. Ok. Ok. Écoute bien ici. Oui, j'ai entendu un bruit de bébé un peu. Un petit. Voilà. Ah, qu'on va la tuer. Laisse le bébou. Bah non, il faut voir ce que ça fait. Je vais essayer de tirer une flèche. Juste pour voir. T'es bien un humain, toi. Ouais. Mmh.
Nulos, quoi. Elle nous attaque sans raison, Lox. Oh non. Oh, c'est trop mignon. C'est pas... Elle est très très solide, merde. Ah. Oh, oh putain. Elle nous... En fait, c'est un mauvais endroit pour se battre. Ouais. T'aurais jamais dû l'attaquer, Lox. Ferme-la, Annie. Moi, je descends, moi. Je te laisse avec tes galères. Oh, tiens, ça, c'est bien, ça. Ouais, retournez s'asseoir. Ah, mais non, c'est pourri. Faut pas redescendre. On arrive t'es là, du coup, quand on descend, ok. Qui est logique. Bah oui. J'avais l'impression que c'était complètement fermé, donc que c'était ailleurs, mais non. En fait, c'était plus pour là-dedans, et on sait qu'il y a une mythe là-haut. Ouais. Avec une, hein. Elle est tic, là. Partez. Je vous en supplie. Oh non, mais ils sont trop solides. Oh, il me saoule. J'ai plus de vie. Il est très bien fait leur level design quand même. Ouais. C'est des souches, des herbes qui ont l'air d'aller n'importe où et en fait, non, c'est. C'est juste sublime. C'est bien étudié. Non mais arrêtez, on me poursuit. On va mettre quelque part et je vais essayer de manger un peu. Bon, mais il est. Qu'est-ce que c'est ça? On va plus. J'en puis plus. Voilà, j'ai pu me heal. Faut que t'enlèves ton point, lui. Truc de chanter là. C'est bon. Eh, oh, c'est bon là. Il y en a 2 milliards. En vrai, on a visité quand même dans la flotte autour de la souche là. Alors moi j'ai fait un petit tour, j'ai pas vu grand chose. Donc mais après on peut retourner si tu veux. C'est que là il y a tellement de choses à visiter, ça donne envie de se balader, tu sais. Quitte à revenir explorer plus. Par là j'ai une dent. Tondeuse à gazon. Oui, je l'ai vu de loin. J'ai vu que c'était proche de l'escalier, donc yes. Effectivement. J'ai trouvé une fourmilière. Ah, il y a de la rouille. Ah, une petite fourmilière. Enfin, il y a plein de fourmis. J'arrive pas à voir l'entrée, mais il y a 1 500 000 fourmis. Et un super mixeur. Oh, punaise. Non, mais ah, qu'est-ce que vous, les fourmis, là? Mais en fait, on le voit à l'intérieur. C'est juste la science en récompense. La science. Ok. On le voit dedans. En fait, la récompense, c'est ce qu'il y a dedans. Et c'est dans le tube. Tu sais, ça va être 1000 ou 2000 de science d'un coup, hein, comme ça. J'imagine. Moi, j'espère que c'est un peu, quoi. Ah. Ok. Il y a plein de trucs à découvrir, c'est trop bien. Oh, punaise. J'ai trouvé l'entrée de la fourmilière, hein, punaise. C'est compliqué là, il y a un énorme trou. Imagine l'entrée est dans le coin, mais je suis pas sûre. Ah si, peut-être là. Ah, ça doit être ça. Bon. Je mets un point ici. Mon intérêt. Je vais mettre un drapeau, mais sinon, si je mets un drapeau, je vais descendre et c'est risqué. Ah, j'ai envie d'aller dans toutes les directions. Je vais te rejoindre. Je laisse mon point, je vais te rejoindre. Oh la fusée, une fusée hein. Moi aussi je veux trouver une fusée. Il y a des soldats aussi là-bas qui se... Attendez. Je vais aller voir vite fait là où les soldats continuent à aller. Parce que je pense qu'ils vont dans une direction. What is that? Des pipas. Des grains d'herbe. Très bien.
I found some ground herb. Arrêtez, foutez-moi la paix, j'en ai marre. Oh mon... Mon armure a pris cher. Hein. J'ai pris cher. Oh punaise. Eh, j'en peux plus. Il y a trop de trucs, Envy. J'en peux plus, je meurs. Ah bon, si je fais réapparaître un labo. Est-ce que j'aurai une bonne surprise? On va tenter, hein. Bonne surprise. Il est où mon sac à dos? Et d'ici, il est pas si loin, mais d'ici quoi. T'es là, Envy? Ouais, pardon, attends, je réponds pas, attends. Je me disais, j'étais un peu abandonnée là. Ça, c'est des tétards là qu'on entend qui font. Du coup, faut que j'aille là-bas. Ok, bon, bah, on y va. D'où la maison? Restons avec ton grenet. Oui, quand t'es perso, c'est le perso d'Envy qui dit ça aux charançons parce qu'ils ont des grenets. Magikarp, ouais. Bah, le Magikarp, on n'avance pas. Je m'en approche pas. Mais, allez! Oh, ça saoule. En profiter. Pardon. Ouais. Je suis monté en haut de la caisse aussi, mais j'arrive pas à monter plus haut. Et il y avait une dent dedans. Donc je l'ai prise. On a eu un milk molar. Oui. J'ai même pas essayé la lame, parce que j'ai pas mis dans mes raccourcis. Ah si, elle est là. Ah, c'est un caillou à péter. Ah non, pas du tout. Merde, bah du coup y'a rien de plus ici. Et oui, je t'ai entendu, du coup tu t'es fait tuer, je suis désolé. Oui hein, merci pour si au moment où t'as vu me parler, j'ai entendu mince, y'a des trucs partout, j'en ai marre. Je me suis senti assez soutenu, c'est ça qui était. Je suis désolé, c'était une urgence. Ah ouais. Le cerveau est planté, tout ça, donc j'ai relancé. Ouais, ouais, ouais. Attends, du coup, c'est là-bas. Ah, mais merde, c'est. Oh, ah, faut voilà. Que je monte là-haut. Ok, voilà. Chiant. Il y a un peu de peinture, mais je peux pas grimper. Ah, je peux peut-être grimper. Oh, mais c'est... Ok, et du coup, faut que j'aille. Ouais, c'était celui-là. Hein. Je te rejoigne. Non, non, depuis la base, je. Je sais à peu près d'où où je suis maintenant. À la base, zut. Ah bah oui du coup. J'ai une coccinelle infectée, je me suis dit, est-ce que c'est des nouvelles coccinelles en mode infecté? Ah c'est possible. Non non, elle a le même nom, je peux pas la scanner. Enfin je peux pas la scanner à nouveau. Coccinelle infectée elle s'appelle. Donc c'est bien dommage. Ok. Mon sac à dos est à... Ok, franchement, il est à 150 mètres de moi. Faut juste que je récupère sans mourir parce qu'il y avait... Il y avait coccinelle, il y avait toute une fourmilière, il y avait un scarabée pas loin, c'était un peu compliqué. Je suis pas hyper loin, j'étais en train de revenir vers toi. Mais c'est que j'aurais bien aimé remonter la piste des petits soldats là où j'étais. Et il y avait en plus, c'est là où j'ai trouvé des graines. Je me suis dit, tiens, bah, peut-être un sac de graines, un truc à visiter, je sais pas. Hop là, j'ai mon sac et j'ai une coccinelle qui m'a vu. Et ça c'est bien parce que j'ai plus d'endurance, du coup bah c'est trop bien.
Du coup, c'est à pas peu les plus vilaines, par... les coccinelles. Ouais, elles suivent pas si bien. Non, c'est les fourmis qui me font chier là. Les fourmis et les larves suivent pas trop mal. Les tiques, encore pire. Bon, je suis en hauteur, elles peuvent plus me suivre. En fait, j'essaie d'accéder à un endroit depuis tout à l'heure, bon, ça me fait beaucoup tourner du coup, parce que je tourne autour de la tondeuse depuis que je l'ai trouvée. Ouais, je vais essayer d'aller vers toi, on est pas très loin. C'est pour ça que j'ai vu la caisse à outils, mais j'essaye de... Oula. Et merde, mon coccinelle. Et merde, elle... Oh mais, ah si, si, elle suit quand même bien la coccinelle. Après, mûre rétention... Coup de verre acide. On trouve de ces bons mecs là. Bah j'ai mangé. Donc t'es là-bas. Ça je le dégage parce que voilà. Et je vais mettre ça. Ah, il y a un labo ici. Je te vois au loin. J'essaie de grimper, j'y arrive pas. Je vois ta torche. D'ailleurs, elle tient bien celle-là. J'ai fait mon shift. Oh, ça me va marcher. Ça n'a aucun sens. Il y a plein d'araignées ici, putain. Enfin, plein d'araignées, plein de toiles. Ah, mais un fond chiqui, les larves, il y en a trop. Ding ding. T'es rentre, c'est un mob relou. Oui. Ah, je vais réussir à monter. Ah, punaise. À trois plombes. Pour 500 de science. La moitié déçu quand même. Je suis même carrément déçu. Plus 5000. 5000 c'est pas assez. Plus. Et merde, le moustique. Tu vas affronter une Black Widow? Non. Parce que je sais où il y en a une. Ah, tu veux... Bah c'est pour ça qu'il y a beaucoup de toiles partout en fait. Je comprends mieux. C'est bien la logique du jeu. Plus l'araignée est violente, plus elle met des toiles. Je sais pas parce Vas-y, que l'araignée loup. Tu veux qu'on la fasse? Tu veux qu'on la tente? Les petites ça va, on y arrive. Je l'ai fait en enchaînement et ça va. Je suis un peu confiant avec nos armes et tout maintenant. Franchement, ouais, il y a moyen. J'étais pas chaud, mais là, je me sens capable. C'est en fait, là, il y a une sorte de crevasse au pied de la tondeuse. Et il y a plein de toiles dedans et en fait, il y a un trou où elle est dedans. Ah là là. Ah bah t'es là. Ah mais faut qu'on se rejoigne, ça va être chiant parce qu'on est à... Ah, ici, tu peux passer. Oh non, ça va aller en fait. En fait, ça va aller. L'univers voir, faut grave flipper, elles sont plus... En plus elles sont moches. Ah moi je les trouve jolies les petites veuves noires avec leurs petites couleurs là sur leur cul. C'est quoi ça? Encore une putain de coccinelle. Ok, allez je fais ça. Attends, j'en ai où? Mon stuff il est abîmé. Ouais moi aussi, à la base j'ai dû réparer un élément. J'avais remis Mais de la colle un. À faire, t'aurais pu en prendre. J'en ai pris une, il y en avait qu'une. Ah mince, j'aurais pu en mettre plus. Mais du coup j'ai réparé mon torse. Je te vois pas en fait. Ah t'es bougé, mince. Oui j'ai bougé puisque je me faisais attaquer. Mais attends j'arrive. Mais où la Black Widow elle était pas là où t'étais? Elle est dans la crevasse. Du coup moi je suis à l'extérieur de la crevasse, je suis au-dessus. Tu la vois pas la petite crevasse? Je suis... On est plus au pied de la tondeuse. Ah, faut vraiment qu'on aille au pied de la tondeuse en fait. J'y étais moi.
Bah, je sais pas. Peut-être plus grand que ce que je pense, mais. Elle est là, la tondeuse, t'es dessus. T'es à côté. Hein. Bon, je mange parce que je vais crever, encore une fois. Ah, j'ai pas pris les soins. Voilà, c'est là-bas. Tiens, Lex. C'est là où je suis exactement, le pied de la crevasse. Oui. Ah, j'en ai plus que 3. Non, prends, j'en ai un, c'est pas grave. J'en ai lâché un. Merci beaucoup. Là. Je me mets un petit soin. Le truc qui est chiant, c'est qu'il y a une coccinelle dans le coin. Et sinon, c'est dans cette crevasse. Ok. Voilà. Il y a deux coccinelles. Ouais, mais elles ont pas l'air d'aller dans trop. Quoiqu'elle a l'air d'y aller quand même. Elle y va même carrément. Mon cassage est frais, on la défonce, hein. Ah ouais, et celle derrière? Regarde. Ah, ça va, elle a fait demi-tour. Ah, elle va nous sauter dessus. Moi, j'y vais. Ah, régène, c'était pas malin de ma part. Iso. Oh, tu l'es. Ouf, tu ouais, c'est double faiblesse pour elle. Attends, ouais. Je vais attendre un tout petit peu d'avoir régène par contre. Je vais juste voir où elle est, parce que je pense que ah oui, je vais te montrer. En agro. Je l'ai vu en agro, hein, mais c'est là-dedans, voilà. Donc tu vas la voir au bout d'un moment. Elle est grande et elle écarte tout bien les pattes. Ouais, mais je suis partie vite. Ah, je l'entends. Ah, puisque moi je suis allée jusqu'à l'entrée. Hein. Mais j'attends un tout petit peu. Tu vois cette faiblesse ? Ah oui, bah ça c'est pas con d'en donner. Et où la veuve noire aussi ? Là ? Veuve noire juvénile. Ah merde, elle est pas... Ah, veuve noire. Aucune. Résistante à tout. Je sais pas si c'est malin. Elle a aucune faiblesse, la veuve noire. J'avais oublié. Ah, mais j'ai ça. Ah, je vais attendre. Attention. Ah ! Oh, mais qu'est-ce que je... Oh, non, j'ai stun. Oh, j'ai stun, j'ai réussi à la... Oh, putain. Elle nous empoisonne. En fait, on est jamais prêt. Dans 8 ans, on sera pas prêt, en fait. Toi, tu te bats, toi? Moi, je suis tellement empoisonné que je vois mourir. Oh, moi aussi, hein. Mais j'ai réussi à la parer 3 fois. Ah, dommage. Ouais. C'est pas pour tout de suite, je crois. Elle est partie. Oh, une coccinelle, Jésus! Oh, elle m'a tué. J'aimerais trop l'avoir 2 jours. Ah merde! Oh, bah j'ai fui, hein. Ah, t'as pas tué, c'est bon? Je me suis retrouvé. Si, si. Mais. Ah. Mais j'ai retrouvé dos à la coccinelle. J'ai pris poste de recherche, je dois pas être trop loin. Tu seras dans celui dans la flotte, je crois. Ouais, ça va. 300 mètres. Ouais, mais comment tu reviens? T'es obligé de revenir à la base, en fait, non? Non, non, quoi? Ouais? Non, je suis dans la flotte, dans la souche. Ah oui, parce que moi j'avais été suivi dans la flotte, vraiment. La dernière fois que j'avais fait ça. D'accord. Du coup, bah, j'ai dû revenir à la base, puis repartir. Donc, ah ouais, ça va. Bon, et ben plus tard, hein. Oh putain. Non, mais on arrive déjà à tuer vraiment beaucoup de mobs. Bien. T'étais descendu d'un trou? Il y avait quoi dedans? Dans le trou, dans la souche. Un mixeur. Ah oui, un mixeur, c'était celui-là. C'est qui la femme qui crie? Oh. Et s'ils sont vilains. Les vieux tics de merde, là, ils font trop chier. Ouais, ils sont insupportables. Ils sont insupportables et ils donnent pas de bouffe. Il est solide en plus, c'est trop de queue. Putain, j'ai sursauté de ouf, j'ai vu une puce d'eau en hameçon. Oui, moi aussi, je l'ai vu dans la flotte, là. Flipper ce con. Ce con de puce d'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Alors en fait, il faut une tenue de résistance au poison ou un élixir ou. Ou je sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un point d'un. De Hulk.
Ouais. Oh, ça veut dire que je suis sûr qu'il y a un truc en dessous. Ou d'un orc, d'une créature. Regarde. Je suis sûr que en dessous, on va avoir une galerie, on va pouvoir voir la suite. Ah, ça se trouve c'est dans le trou, mais j'ai vu qu'un mixeur. Attends, j'arrive. Ah, mais il y a pas le mixeur. Il est pas dans le trou. Je vais récupérer mon sac, moi surtout. Ouais, moi aussi. Non, mais j'ai vu un truc dans le trou, pareil. En fait, si t'arrives dans le trou, t'es dans une petite salle et tu peux pas remonter. Donc, je pense qu'il y a un autre moyen d'arriver là. Et le trou te permettra de remonter pour partir. Ah. J'ai l'impression que je le vois comme ça. Le jeu d'hier, Poppy Playtime. Franchement, c'était trop court. C'est vraiment trop court. Bon. Mon sac à dos, du coup. Je vois plus. Oh mais Envy, il aime bien les jeux d'horreur hein. Parce qu'il a peur qu'il aime pas hein. Oula. Ah tu... Oh putain, je voyais des gros yeux au loin, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement maboule le gars. Complètement maboule le goons. Non, ça va, c'est une coccinelle et en vrai, c'est dégueulasse. Bon, elle fait mal hein, quand même. Ouais. Faut la stun, enfin, faut la parer. Voilà, faut parer. Pose de recherche. Ah ? Ça. Mutation détectée sans orientation. Trop bien. T'as un truc à inspecter, toi ? Ah ! Oh, j'ai 8 points. Oui. J'ai besoin d'un coup de main. Ok, j'ai fait 3 améliorations. Oh non, me dis pas que c'est... Non. Ah non, ça va. J'aurais couru. Hein. Voilà. Merci. La défense. Oui, j'ai un truc à analyser, j'ai ça. Voilà. Ok. Ah, ma hache par contre, je l'utilise trop quoi. Elle est pas dans le rouge encore, mais... Alors que... C'est des coulants, donc ça va. Moi. Non, la hache, pas la... Ouais, j'essaie, non, mais moi, la masse, du coup, ça va. La masse, ça va, ouais. Parce que, bah, aussi, t'as besoin de beaucoup moins de coups, en fait. Genre, elle est tellement efficace. Ouais, c'est ça. C'est des coulants. Tu sais, Mais on est quand t'as une nouvelle partie, mais on est mou, là. Bah, c'est super mystère que j'ai vu au loin, attends, moi. Attends, je vois de la map. On est là. Mais attends, attends. Il y avait une puce. C'est quoi ce bruit? Ah, t'as une fourmi qui t'attaque. Ah, je vais tester ça, tiens. Juste, ça met un petit dot, mais bon. Regarde quand il va tic là. Regarde, hop, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est énorme quoi. J'avoue que c'est pas fou. Peut-être qu'après certains insectes sont un peu plus sensibles. Bah ça m'a donné cette impression sur tous hein. Attends, ouais, je vais mettre un point. Voilà, faut aller là-bas. Il y a la puce en fait. Viens, on la trouve quand même. Mon point à moi, j'en avais mis un. It disappeared. Ou alors non, attends. Voici, si on trouve la puce. Et après on va à la chaise. Et après on rentre, on fait les nouvelles masses. Moi je dis. On a de quoi? Oh, on a quand même tué quelques scarabées. On essaiera de voir si on en trouve. Peut-être en faire un ou deux. Au pire, si on en fait une, c'est bon. Tu vois, ouais. C'est surtout pour la récolte. Ouais, faut en faire une, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais une, ça on peut, ça, je suis sûr. C'est pas mal sur les toutes petites bestioles, ça. C'est dans la souche, mais ça se trouve c'est en haut. Non, je pense pas.
Non, je pense pas. J'essaie de venir en faisant. En prenant l'aggro d'à peu près tous les tics de la région sur 18 km. Ouais. Et bah c'est réussi. Ah, super. J'aime bien la rapidité par contre d'exécution de la hache. La. Bref, j'ai compris. J'ai d'œil, je crois. Moi aussi j'ai... Oh putain, moi aussi. Oh, on en est sous la souche, non? Ouais, ça va. Je. Mon père me dit demain avoir ton oncle à l'hôpital, moi je veux bien, mais ma voiture. Je suis pas sûre qu'elle tienne la route, elle fait un bruit trop bizarre et quand j'attaque 90 km/h. Bah sinon tu vas très lentement. Il me répond, bah si elle tient pas, tant pis d'avoir la famille. Bah, merci, j'ai qu'une seule bagnole qui m'est utile au cas où pour un taf, mais Osef. Bah c'est vrai que de toute façon, si vous tombez en rade avant même d'arriver, d'abord la famille, ouais, mais en fait vous aurez tout perdu. Donc effectivement, c'est pas la meilleure réponse qu'ils puissent faire, quoi. Qu'ils disent, sous terre, qu'ils disent un truc du style, bah au pire on jette un oeil avant, ou je sais pas. Oui mais attends, mon sac à dos, j'arrive. Ah oui, d'accord. Non mais c'était pour te montrer. Hop là. Tac tac tac, du coup je vais équiper ça. Je vais regarder au poste de recherche si j'ai pas un truc à scanner vite fait. J'en peux plus, j'en peux plus hein, d'entendre le bruit de. Hey, t'es poursuivi. Oui, tout le temps, je sais. Ah, vous les avez pas prévenus? Ah oui, effectivement, c'est mieux de prévenir, surtout quand. Quand t'es à l'hosto, bon, bah voilà, c'est pas toujours en meilleur état. Hein. À mon avis, c'est pas par là qu'on y va, mais bon. Allez, Oh, mais il y a une dent ici. Où ça? La souche. Alors après, je sais pas comment on atteint. Oh non, ça va pas être trop compliqué. Près des morceaux de labo complètement éclatax. Ah bah non, ça va, c'est facile. Ouais non, c'est vraiment pas fait. Ouais, je comprends que ça te soulante là, c'est peut-être pas la meilleure réflexion. C'est par là qu'on sortira après avoir fait un truc qui nous ramènera ici. C'est sûr. Au pire, envoie un petit message à ta tante au moins demain. Ça se trouve, elle vous dira franchement ça nous arrange pas, venez plutôt tel jour. Que bah, je sais pas. Moi, c'est vrai que je préviendrai quoi. Menace détectée. Oh, il y a une autre dent. Ah oui, effectivement. Ah oui, je viens de voir la dent, d'accord. Oui, mais la dent de là-dessous, j'ai jamais réussi. Ah, mais oui, c'est par là-haut, du coup. Ouais, mais j'en ai une autre, mais oui. Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est d'en haut, et puis on fait le. Bon, là, c'est un milk molar, et étrangement, je commence à m'en fiche un peu. Ouais, c'est vrai. Parce que là, il en faut genre 6 de plus si on veut améliorer. Voilà. Ou 5. En fait, genre 5 de plus ou 3 de plus, je sais plus, 4, je sais plus. Mais en gros, il en manque quand même quelques-unes. Et j'avoue que les stacks, bon, c'était sympa au début, mais là. Oh non, mais. Voilà, m'a tué. Non, mais ils sont trop chiants, les tics. Oh, oh, je déteste les tics. Plus qu'avant. Ils sont insupes. Oui, je me rappelle quand j'étais petit. J'en avais vu une dans ton dos. Ouais, t'es l'horreur de ma vie. Ouais. Et j'avais dit, hé hey, maman, c'est bizarre, il y a une grosse araignée dans son dos. En fait, c'était une tique qui était tellement gonflée. T'as dû me faire flipper, t'es une horreur. Ah non, je sais pas, j'avais vu, voilà, j'avais vu un truc sur ton dos, je pensais que c'était une araignée, j'avais déjà pas peur des araignées, du coup ça me fait un vrai. Mais je me suis dit, moi, t'avais dû me faire flipper. J'avoue. J'avoue. Je peux pas discrètement ça. Ah oui, il y a la science ici. Il y a du marbre.
Morbe fragile et tout. Et que sans déconner, cette période-là, je sais que c'était horrible, mais je pense que je l'ai un peu effacée de ma mémoire. Cette période-là? Bah, moi j'ai l'impression que c'était une période où tous les soirs je rentrais, on essayait de me le retirer. Mais non, non, c'était pas une période. Si ça avait duré, hein. Ouais, si avait... J'ai l'impression que ça avait duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Traumatisant. T'as vu ça comme en des années, tu sais. Je te promets, dans ma tête, c'est un truc qui a duré longtemps, qui est... que je comprenais pas, qui me faisait peur. Bah là, il était sorti tout seul. Effectivement, il y a juste de la science dans ce trou, mais faut y accéder par un autre. Dis quoi, il était sorti tout seul? Ouais, bah moi, comme je l'avais vu. Non, non. Pas du tout. Ils ont retiré la tête et il restait le corps. Et on a dit, en fait, pendant... Non, non. Ou l'inverse, pardon. Et pendant des semaines, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'était une période en gros. Je rentrais le soir, je rentrais et j'étais sur le lit allongé sur le ventre. Et ils essayaient de me le retirer. Non, mais moi, celui que j'avais vu, c'était pas lui. Hein. C'était un type qui était sorti et il était dans ton dos et il bougeait parce qu'il était tellement gonflé. Mais non, mais il était vivant. Oui. Non, mais ce que je veux dire, alors laisse-moi finir. Personne, maman l'avait pas vu. Ah, d'accord. Et je lui ai montré, je lui ai dit, tiens, t'as vu, il y a un truc qui bouge, il y a une araignée qui bouge dans le dos de Yoyo. Voilà. L'horreur. En tout cas, l'autre là qui était resté bloqué, il restait la tête, c'était l'horreur. Et ça avait duré... Ouais, c'est un autre alors, ok. C'était monstrueux, quoi. Bah alors. Et ça a duré longtemps, et en fait, ils arrivaient tellement à l'enlever qu'on allait à l'hôpital. Ils avaient un ustensile, ils l'ont enlevé en 3 secondes, ils m'ont même pas fait mal. C'était... Je me rappelle de ça, c'était ouf. Bref. Faut tuer les tiques, tous. Voilà, anecdote sur une vie. Ça apporte quoi les tiques, sérieux? Des maladies. Voilà, merci. Ça bute les animaux, c'est trop chiant. Ah, c'est des nuisibles quoi, mais il y en a plein des nuisibles. En tant qu'humain, on peut pas critiquer les autres nuisibles. Si. Non. Y a un autre trou, effectivement, et du coup, ça doit être là. Il peut en rester qu'un. Ah, il y a un autre trou, ça où? Bah en fait, je suis allé dans le trou et j'ai vu qu'il y avait un autre passage où on peut descendre pour choper la science. Voilà. Oui, c'est ça. C'est que t'as vu, il y a un autre. C'est ce que je... Mais c'est... Merci, c'est ce que je t'ai dit depuis oui, tout à l'heure. Oui, bah je l'avais pas vu, ça alors je comprenais pas de quoi tu parlais. Bon, bah du coup, faut trouver. Bah, faut trouver la suite même du labo parce que j'ai l'impression. On voit derrière qu'il y a un. Même une construction et tout, que c'est pas de la. Trouver le trou. Oui! Merci. Voilà. Super. Je trouve un passage. Oui, c'est le passage où je suis déjà allé. Ah, moi j'étais jamais passé par là. Eh ben vas-y, maintenant. On dit une machin. Wow. Super. Consommer de la viande. Consommer de la viande. Non. Un stick mou des enfers, mais il me follow en plus cet enfoiré. Je rentre dans la souche. Après, ça se trouve, c'est un autre endroit, et du coup, c'est un truc beaucoup plus grand. Tu disais que tout à l'heure, t'avais trouvé une fourmilière ? Oh ! Ouais, j'avais mis mon point, je vois plus. Bon, et si on allait. En fait, on va plutôt. À la chaise préférée de notre cul. Je pense que. Hey, là, tout est fermé, je sens que ça va nous renvoyer ici, en fait. Tu penses ? Moi, je sais pas. Moi. Je pense que ce labo là, c'est pas tout. C'est. Je sais pas. Moi j'ai une déco et du coup je sais pas où je vais réapparaître. Parce que j'étais sous l'eau. Oh. Ok, ça va. Rejoins la partie Aloxé. Ah, attends. J'ai peut-être trouvé un truc intéressant. Il m'a vite, je suis en train de fuir. Là, y a tous les bons becs du monde et là il y a un passage. Ah oui, non, d'accord. Vraiment un passage, malheureusement. Ah, j'ai retrouvé la fourmilière, t'avais mis ton point. D'accord. Oh, enfin, le trou. En fait, je pense, voilà, il y a un trou. Mais je suis pas sûr que ce soit la fourmilière. Il y avait trop de trucs autour, en fait. Impossible de descendre et de risquer de mourir. Ah, il y a une araignée qui s'excite contre un truc. Ah, c'est contre moi. D'accord. Joue en vert. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est la suite de l'escabeau.
C'est marrant, les fourmis elles aiment pas les scarabées rhinocéros. Mais elles aiment rien les fourmis, elles attaquent toujours tout hein. C'est une créature horrible. Hey, mais j'ai plus de place. Merde. Faut que je mange des trucs. Je vais manger ça. Can't waste food. Can't waste food. Can't waste food. Okay, bon. Je vous entends avec vos minuscules pattes là, bande de... Qu'est-ce qu'il y a la con là ? Bande de minuscules. Ouais. Bande de minuscules, vous asseyez pas, Antana. Ok, du coup je pensais avoir trouvé un truc, mais pas tant que ça. Enfin, j'ai trouvé des bons becs et de la science. Ok, bon. Je bosse un peu partout sur tout ce qu'on avait visité. Ah mais j'ai pas assez... Non mais hé, putain le moustique quoi. Il me donne 3 coups, il me tue. Voilà. Ah merde, je suis un peu loin de moi. Putain. Non, ah non mais... t'es pas très loin. Ah si t'es oh loin. Mais 20 secondes, ça va être compliqué. 400 cm. Ouh, ça fait plein de kilomètres. Combien de mètres là? T'as dit quoi sur les minuscules? Combien de mètres là? Au moins 1000. Oh non mais peu importe où j'apparais, il y en a. Eh, ça va hein. Ça allait hein. Mais suivi pas. Regardez, c'est quoi qui me tape là? Putain de fourmis qui se mêlent de. Mais toi ton cul toi. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui me fait mal là? Je m'attaque là. Mais elles font chier ces fourmis! Ouais! Les fourmis, les tiques, les larves. Non mais c'est bon! Merci mes petites araignées de m'avoir défendu. J'ai le droit de vivre un peu! Non mais pourquoi je peux pas. Quoi? Tu caches toi aussi! Y'a un pneu. C'est toi le pneu. Arrête. Et une dent dedans. Il y a une batterie. Lox, tu es décédé? Oui. Par ce même putain de moustique quoi. En fait j'y arrive, j'ai tellement plus de vie parce que je me fais attaquer par à peu près toute la faune locale. Bah que bah voilà. Y'a plus rien à foutre hein. Ça sert à quoi de tuer quelqu'un qui est déjà à terre? T'es fier de toi? Nulos. Non mais je suis d'accord. En plus ces ennemis démoniaques là, c'est les tics et tout. Genre tu passes tranquille, tu vas même pas vers la fourmi hein. Elle te voit, elle fait oh tiens, je veux lui niquer sa gueule. Je veux le suivre jusqu'au bout du monde. Et lui dévorer des morceaux de fion. Bon. T'as tellement hurlé que ça t'a mute. Ah bon? Oui. Ok, bon. Non, il y avait une batterie, il y avait des câbles dessus. Ça avait l'air d'être allumé, je me suis dit, oh, ça m'étonnerait. Ça te met un gros coup de jus, ton perso il tombe et tout, c'est surprenant. Moralité, ne mettez pas les doigts dans la prise. J'en peux plus. On va repartir en duo. Je crois que ça marche ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Oui, de tenter un peu de s'amuser, de check des trucs. Non, je sais pas, on était. Tu sais, c'est un peu la folie, un peu comme des foufous. Oh, il y a des nouveaux trucs. Ouais. Mais ça, ce moustique, il squatte mon sac à dos. En fait, j'ai trop de trucs sur moi. Alors que bon, j'étais à 40 sur 40, mais là, je peux pas le loot. Du coup, à chaque fois que j'essaie de le loot, il y a le moustique qui me voit et je dis oh putain, toi je vais te soulever. Toi je vais te soulever. T'es où? Je récupère mon sac.
C'est où ce connard de moustique? J'ai entendu. Ok. Mais toi, je me saoule. J'entends. Regardez, il me voit à travers la souche. T'es où? Donc c'est pas bien les batteries. Attends, c'est allumé ça? Là, c'est Warwick qui me parle. Oh, j'ai trouvé la chaise. C'est pas à côté. Hein. Bon là, je veux que tu viennes me voir. Ouais. Viens! T'es dans du malheur sans terre. Il y a un autre coffre. D'accord, c'est pour ça qu'il y a une dent. Punaise, c'est un vieux coffre, je suis tombé là-dedans pour rien. Je galère à ressortir, c'est sûr. Ah c'est bon. Oh le stress dans la flotte là. Avec les créatures, la musique elle change et tout, c'est immonde. Hein. J'apprécie de moins en moins les insectes. Hein. Je les trouve tous dégueux. Bah. Ça traumatise de certains insectes dont on avait rien à foutre avant. Ah, les engeances du démon, là, j'en peux. Non, meurs! Bah, t'es quasi mort! Viens! Ah! Je suis éclaté! C'est mon sac à dos. Ouais, seulement 8ème try. J'ai plus d'armure. Bon, je vire quoi, là, sur moi, là? Faut jamais aller dans le pneu, je peux plus sortir! On était sûr en plus. Ok. Un coup de tapette et c'est plié. Oui, mais que veux-tu? Je n'ai point. Ok. Ah, oh, je suis suivi par les trucs dégueux. Ils sont super nombreux. J'arrive. Non, faut pas que tu viennes. Ah bah, tu veux de l'aide? Bah, je suis bloqué. J'adore. Mais j'y suis bloqué. Dégage, les là. J'ai vraiment fait 4 mètres. Enfin, 4 cm. Non, c'est pas beaucoup. Même dans notre situation, c'est très peu. Oui. Non, c'est super. C'est super. C'est impossible. Ah, t'es tombé. Ah! La ferme! Putain, je suis retombé dans l'eau, j'arrive. Je suis bloqué! Je vais jamais réussir à sortir! Oh merci, mes petites araignées, de faire des trucs! Mais putain, mais en plus, les trucs, ils me suivent! Oui! Il est où? Ah, ça me stresse, ça me fait. J'en étais sûr, j'ai vu au début, je sentais que ça puait du huc, mais vénère, hein. C'est. Je le savais. Je me suis dit, tu rentres là-dedans, tu galères à sortir. Oh, je pouf! Mais après, j'avais espoir, je me suis dit, non, c'est pas des connards quand même. Ah non, c'est. Des gros connards, c'est différent. Ouais. Ok, bon. T'es où? Dans le pneu. C'est le pneu, il arrive. Salut Vendée, Zebni! Mais putain, je suis retombé! Qui était hyper loin, il a foncé. Mais t'as vu hanter les moustiques dans ce jeu? Ils sont au clip! Je suis presque. Comment? Non! Attends, j'ai eu peut-être. C'est trop ça hanter! Elle dit. Ce que j'aime bien, c'est que pendant que tu combats le moustique, on peut entendre une fourmi gueuler, je le prends au prochain round. C'est complètement ça. C'est. Tout le monde attend de pouvoir m'éclater la gueule. C'était un vrai plaisir.
Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Cassez-vous. Oh, j'ai réussi à sortir du pneu. Sorti du pneu. Oh putain, t'es sorti. Putain, mais, hein. Il est sorti du pneu. Mais c'était trop de la merde en fait. T'as les bâtards. Je veux monter. Pris les petits champis. Vache. Tant qu'il est sorti du pneu sans les traces. Mais c'est des traces, lui. Il est où? Je le vois plus. De l'autre côté. Dire des conneries. Nuit. Sous la terre? Non, je suis en haut, plus haut. Là, tu te rapproches. Ah ouais? Oh putain, le pneu. Attends, monte pas, c'est trop nul. Je vais descendre. Voilà. Et là on passe par là. Et la batterie c'est trop nul aussi, ça te tue. Ici c'était trop nul. Ouais. Faut faire de le dire. J'avoue. Si, ici c'est trop nul. Je vais juste faire le tour par derrière pour voir s'il y avait des trucs. Ah mais c'est une batterie ça. Hein. Il y a une dent quelque part. Ou non en fait. C'est une batterie. Et oh, je sais pas ce que. Oh. Je crois que c'est un bout. Ah, oui, d'accord. Il y a plein de bonbons acidulés dedans, Lox. On le saura. Oh. Vas-y, on court. Il y a des larves, des fourmis, il y a des. J'ai plus d'endurance. Ok, je cours. Je cours par là où tu vas. Une autre batterie, ah bah c'est l'autre batterie, d'accord. Je cours super mal. C'est de la merde les batteries. Ouf, je cours super mal. Ah oui, il y a un pneu. On le voit bien là, le pneu. Je ne tombe jamais dedans. Marche pas sur la partie métallique. On peut pas y aller en fait. Ok, viens. Ouais. Hop là. Voilà. Ça servit à rien. Okay. Hein. Attends, t'as réussi à monter? Oui. Non, tu devrais pas faire ça. Mais ça sert à rien. D'ailleurs, ça m'a vraiment tué. Je sais pas jamais s'il y a des trucs. Ah, mais attends, il y a des prises là-bas. Il y a de la science. Ouais, je sais. Tu m'as poussé. Ça s'est pas bien passé, Andy. Oh, ça va. Non, mais y'a un truc qui me tue. Oh putain, ça m'a tué encore. J'ai marché sur la prise. Le cri, il a résonné dans ton appartement. Putain, pourquoi ça m'a fait bader? T'as eu peur de te prendre un coup de jus en vrai, je crois. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais en fait, c'est très bizarre quand tu meurs d'un coup de jus, c'est instant la mort. Marche pas dans les petits trous de la prise. Non. Par contre, je marche sur la prise. Je voulais voir si elle est dedans. Mais faut monter, en fait. Ah, mais... T'es où? Tu meurs? Faut que j'aille te reste? Ah non, ah bah non, ça te tue instant, y'a pas de reste possible. Ah oui, vraiment? Ouais, non, mais c'est bon, je reste au poste de recharge. Ah bah écoute, bah voilà, faudra juste monter sur les prises et monter plus haut et on a une petite tyrolienne, on a des trucs là. Et surtout, est-ce qu'il y a pas un moyen d'éteindre la prise? Si, je pense, y'a des trucs. On, off,
commencer, activate, machin, on peut faire des trucs là. Là, il y a full truc là, elle a une machine en fait là. Et tu reviens, mais c'est. Ouais, ouais, non, c'est pas la nôtre. Ah, mais c'est des prises à science. On les voit de loin. C'est de la science dedans. Ouais, celle-là, celle-là. C'est le moment de se mettre un petit soin, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Lox. On arrive là où on devait aller en plus, petit à petit. Ah, j'ai l'impression, en fait. Hein. Alors, j'enlève ça pour qu'on voit un peu. Et bah, vous savez quoi? Ça fait une VOD d'1h30. Je vais l'arrêter et on va voir la suite après. Bisous, VOD. Lol, j'ai appuyé dessus.